Héro YouTube, héro le stream, la suite de nos aventures sur Ghost of Tsushima. Nous étions arrêtés juste ici pour faire ce sanctuaire et ensuite on ira faire une petite quête secondaire qui se trouve juste à côté avant d'explorer ou de voir d'autres choses, je ne sais pas. Je n'ai pas encore la faculté de lire dans l'avenir. Ah, le rouleau. Nous avons fui devant les Mongols. Père disait que les Kami nous protégeraient. Nous allons nous cacher dans le sanctuaire, nous y serons à l'abri. Sauf que non. Ils sont tous morts. Évidemment. Et il faut que je passe par là. Car le pont est pété. Hop. Hop. Et hop. Quelle est cette ferme ? Oh là là. On va aller la voir après. Mais... D'accord. De l'orage. Quel enfer. Vous êtes sûr de ça là? Bon. YOLO. J'ai vu qu'il y avait une fleur. Ouais, juste ici, mais c'est un peu le plan cul cette fleur, non? Ah, je peux peut-être la récupérer et Et ressauter sur la branche? Mais non! Je me suis condamné! Non, c'est bon. Les Mongols sont arrivés au beau milieu de la nuit. Par chance, Père montait la garde. Il a enflammé le pont et nous avons fui. Hélas, une flèche a eu le temps de lui traverser la cuisse. J'ai nettoyé la plaie, il s'est endormi. Je crois qu'il a de la fièvre. Alors, ça n'a aucune cohérence que le mot soit ici. On aurait dû avoir le premier mot en haut et celui-là en bas, en fait. Bref. Bref, bref, bref. Oui, mais c'est pour donner de la cohérence dans la découverte de qu'est-ce qui s'est passé ici. Mais là, pour le coup, c'est contre-intuitif. C'est pas logique. Père est malade. Il n'arrête pas de trembler et nous allons manquer de nourriture. Un malheur n'arrivant jamais seul. Les Mongols sont de retour. Mon frère a peur qu'ils parviennent à traverser le pont. Ouais. Par là? Sûrement. Bah, c'est sûr que ça va pas être par là. Ah, par contre, il y a du bois. Du bois mystique. Bon, mais alors là, c'est. D'accord. Hein? D'accord. Ah oui! C'est pas les choses à moitié, les gars. Hein. C'est des super moines, quoi. Non, mais. Mais que font les Avengers? Bon, je descends. Ah, c'est fou, hein, franchement. Même en termes de platformer, même Naughty Dog, il devrait. Ça doit leur servir un peu de leçon, hein, parce que vraiment. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un jeu où le côté platformer était aussi développé, quoi. Même les Assassin's Creed, et c'est ça le comble, qui à la base se voit être un platformer de ouf. Est devenu ultra redondant et fade à ce niveau-là. Alors que là, putain.
Père est mort la nuit dernière. Je suis là, mais le sommeil m'échappe. Le soleil me tient éveillé. La vue est splendide. Charme du kami de l'agriculture. Ok. Augmente les quantités de ressources, peaux de prédateurs, bambou et bois d'if collectés. Ah ben oui. Ah ben oui. Au pire, on va s'asseoir sur le... Oui, on va s'asseoir sur ça. Et on va mettre ça. Ah ben c'est insane ça. Ah ben carrément. Carrément. J'ai une TP quelque part où je vais, où je peux me gratter. Bah, je peux me gratter visiblement. Bon. Et si je fais ça et ça, normalement ici ça passe. Ça passe. Alors on a vu là, on a vu une ferme qui était juste à côté. Alors je suis désolé mais c'était juste à côté. Je veux aller voir la ferme. Oula! Vous êtes beaucoup les gars. J'arrive. Oh bah ok. Il m'a jamais calculé. Mais... C'est chiant. Oui, donc par contre faut que je fasse gaffe. Ouais, maintenant faut que je restaure ma santé plus régulièrement. Ah oui, voilà. Et maintenant sur tous les ennemis je vais pouvoir trouver plus facilement des provisions. Ouais, c'est craqué. Oh, une tanière de renard. Alors, je ne sais pas où était la ferme, par contre. Ouais, confrontation, vas-y. Je le fais à une main. Oui, non, mais là, oui, ok. Alors, à chaque fois, ce sera à petite dose. Mais c'est quand même à ne pas négliger. Attends, je suis où là? Je suis en train de faire le tour. Mais elle est où la ferme? Qu'est-ce que tu veux me montrer, toi? Ah, bah des bassins! C'est des bassins, ça! Yes! Non? C'est pas des bassins. Oh là là, un skin pour le katana! Incroyable!
Merci. Merci beaucoup. Bon, alors cette ferme, du coup. Ah, bah, c'était ça! C'était ça. J'y vais. Et après, la tanière de renard. Et après, la quête. C'est méchant. C'est pas des méchants.私の兄はお侍に憧れていて、竹の稽古台を作ってずっと市内を振り回してましたよ。竹を切るか。腕を上げるのに良さそうだな。お主の兄と稽古したいものだ。恐れながら兄はすでに病で、ですが登りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う。達者で。 Ok, juste pour ça? Bah juste pour ça. C'est stylé. C'est un dialogue qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt en soi dans le jeu, hein, à proprement dit. Mais je trouve ça propre. Oui, je suis là. Montre-moi. Ah, mais c'était juste à côté. Oh là 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 là. Tu me fais faire des trucs de fou, toi, hein. Yes. Encore un. Ouh là là, j'ai eu très peur. Bon, je me suis éloigné, hein. Je suis désolé, mais on pourrait faire un voyage rapide. Non. On va pas faire de voyage rapide. Mais non, en fait, c'est la caméra qui suit le cheval, c'est pas le mouvement du personnage. Ok. Encore? Même endroit. Oui, alors par contre, c'est bien, il me donne des provisions. Par contre, les munitions, il m'en donne beaucoup moins. Donc là, voilà, ce charme, je le laisse équiper pendant un bon petit moment, histoire de bien grimper en provisions. Mais il y a un moment donné, je serai obligé de l'enlever quand même. Hein. Attends, je rêve ou il a un piaf? Non mais je crois que c'est un bug. Vous avez vu? Ah non, c'est... Non, non. Aigle mongol, les mongols ont des yeux dans le ciel. Si leur aigle vous repère, il alertera vos ennemis.
Oh la bombe collante. Yes. Oh le piaf. Et ok, le piaf dans mon dos veut montrer quelque chose. Ok. Yes. Le piaf, où es-tu? Il y a. Oh oui, je sais, la quête, mais bon. Oh, ben les sources, nickel. Réflexion sur réconfort. Avec un bon saké, ça fait longtemps. Bon petit saké. Mais c'est bon, on est à côté, paniquez pas. Bon, il se passe des choses ici. Il y a beaucoup de flèches, je trouve, dans ce bled. Il y a des flèches aussi à côté de la charrette.失礼を外では本心を言えなくて、もうここに聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。奴らの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。奴はいつ戻る？時期に。俺に任せろ。お主は隠れておれ。 D'accord. En gros, grosse baston quoi. Trouver un point d'embuscade. Là-haut. Ça va être une belle négociation, tu vas voir.
Confrontation. Je suis un fou. Allez, viens là, toi. Encore ? C'est bon ? Il n'y a plus ? Oh là, il a rien dit lui. Black. YOLO. Olé. Hola. Omigoto de gozaimasu. Laisse-moi looter, Micheline. Mais non. Mais que fais-tu? Bon, après, j'avoue, le gain de provision, il est pas sensationnel. Hein. Ouais, le temple d'or, mais d'ailleurs on va y aller au temple d'or pour améliorer katana et compagnie. Paf, le point technique. Nickel. Charme d'utilité, Kezako. 15% des gains de détermination. Ouais, non. Non, non, non. Alors, est-ce que je commence à upgrade par ici? Putain, la charge, elle est pas mal aussi. Hein. Ah oui, hein, pour l'esquive parfaite, en vrai, va peut-être falloir commencer à engager là-dedans. Ou alors, je commence à optimiser les postures. Ah mais j'avoue qu'on peut kick les ennemis dans le vide avec ce coup de pied de ouf. Mais j'avoue pour l'instant, je joue assez bourrin, peu importe les postures que j'utilise, je vais jouer quand même relativement bourrin, donc j'ai pas vraiment d'intérêt pour l'instant à m'y inquiéter. Hein. Non, en vrai, je pense qu'on va commencer à s'engager là-dedans. Ouais, ça, c'est pas mal, en vrai. Ça one-shot.
Bon, et ben d'ailleurs, je pense qu'on va s'y TP au temple, hein. Le temple d'or là. Ouais, et ensuite on va refaire une TP par là pour ben, finir d'explorer tout ça. Alors j'espère que j'ai juste rien loupé par là. Ça aurait peut-être même le coup d'y repasser au cas où. Bon, j'ai l'impression que sur la carte, il n'y a rien. Hein. Donc, ouais. Allez, le temple. Ah oui, en plus, on a faveur à récupérer. Je pète de chaud, c'est incroyable. Alors. Bon, elle pourrait m'améliorer mon arc, mais l'arc, pour le moment, enfin... Sans provision, incroyable. Ouais, non, l'arc, j'avoue, pour l'instant, on lui fout la paix parce que... On l'a déjà suffisamment... Suffisamment upgrade. Oh, il me faut du fer, quoi. Beaucoup de fer. Beaucoup d'acier. Un d'or. Elle a une amélioration proposée, mais je suppose que c'est l'armure de samouraï. Ah, même la tenue de voyageur. Ah, j'avoue, tenue de voyageur. Je trouve ça plus intéressant. Oh, par contre, ça va me niquer toutes mes provisions. Hop, rip. Hein. Eh ben tiens. Des provisions. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout avec? Ouais, d'ailleurs. Hop. Sur plus. Oh, elle est pas mal comme ça. Ça, c'est celle que j'ai achetée. Je crois. Ah non, celle-là, c'est celle que j'ai débloquée. Celle-là, c'est celle que j'ai achetée. Ah, mais j'avoue qu'avec l'upgrade, là, pour le coup, elle claque. Ouais, j'avoue que je préfère celle-là. Hein. Largement. Ouais, ce serait bien de pouvoir la réparer, l'armure brisée. Parce que je suis sûr que ça va être l'armure ultime du jeu. Ah, par contre, je peux avoir le... Pourquoi j'ai le casque, du coup, de l'armure... Ah, j'avoue qu'elle a... Elle a un peu plus de gueule, maintenant. Ah... Là, oui. Par contre, la tête, laisse-moi mon bandeau, quoi. Oh, le bandeau de refuge! Ou même le bandeau d'invasion! Mais c'est incroyable! Oh, le chapeau de paille! Ah non, mais ça claque? Oh, en goldé comme ça? Bon, après, j'avoue, le plus raccord, c'est sérénité. Oh, je garde le sérénité! Je suis serein. Et le skin des... Oh! Ah, dommage pour les manches. Putain, ouais, même celle-là. Oh, mais même celle-là. Putain.
Là, celle-là, je suis juste dégoûté pour les manches. Ça sent... Elles sont trop belles. Les fourreaux sont trop beaux. Oh, et même celle-là, quoi. Là, c'est trop blanc, en fait, par rapport à ma tenue. Vraiment ce que ça donne si je mets ça? Ouais, c'est pas mal. Et si je mets ça? Ah, il y a le bleu indien là qui m'emmerde. Ah, c'est bleu, mais bon, c'est juste pour voir. Ah, c'est dommage, hein. Oh là là. Pouh, j'avoue que ceux-là aussi. Et bon, on va mettre ceux-là. C'est discret, c'est sobre. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Bon, je n'ai plus d'upgrade disponible. C'est triste, mais c'est comme ça. Et nous allons faire ça. Hop. Et on va voyager. Le pilier. Mais le pilier, il est en hauteur. Ouais, et ben on va faire ça. Bon, et bien je pense qu'on va terminer cet épisode sur de l'exploration. Tout simplement. Quoique. Ok. D'accord. Bon. Je confirme. Ouais. Exploration. Et puis on verra bien ce qui se passe. Je vais pas faire le fou. Je suis déjà passé par ici. Ça me dit quelque chose, ça. Quoi? Un carillon. Ah, c'est des méchants. Je vous déglingue. Oh mais il a une lance en bambou. Ouais c'est ça, viens. Faut de la provision à balles. Ouais, là du coup on a 30% supplémentaire de rafraîchissement de la carte quand on explore. Ce qui va nous aider à repérer des lieux importants. Ok. Ouais, je bataille même plus. Oh bah nickel. Le gros first. Et toi là-bas, je t'ai vu.
Par contre, c'est moi ou la manette est tremblée Ouh, 6 d'acier. Oui, alors je vais pas faire le fou. Bon, allez, vas-y, je teste. Ah, mais c'est là où on était tout à l'heure. Tout à fait. Et flac. Hein? J'ai pas eu d'XP? Mais c'est dégueulasse. Mec qui s'énerve. Voilà, pour l'instant aucun piaf ne m'a alpagué, donc c'est que a priori dans le coin il y a pas grand chose à voir. Falaise du vieil Azamo. Qui est cet Azamo? Bon. Bon. Ah, et remarque, on pourrait se rapprocher de la... On pourrait se rapprocher comme il faut de la quête principale, hein. Bah, il faudrait juste que je fasse un petit zigzag. Ah. Un groupe de sbires. Oh, la bombe collante. Oh, j'ai tellement envie de faire une bombe collante là. Paf. Merde. J'ai testé un truc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tape dans le vent, ce con. Bah génial. Ok, bon, cette posture, faut que je m'y fasse, hein. Ah, j'ai voulu pré-shot, anticiper. Oh, par contre, j'ai tué les chevaux, c'est chiant. Ouais, j'ai voulu anticiper pour le... le taper avant son attaque. Et en fait, j'ai tapé dans le vent, quoi. Bon, la bombe collante, c'était rigolo, par contre, hein. Mais je m'attendais à mieux. Ah. Oui, d'ailleurs, j'ai pas regardé au temple, mais a priori, il y avait pas de quête. Hey,
Ah, il m'emmène où? C'est où? ためにある薬師が向かっているのですが、間に合うかどうか。病人はどこだ？野営にいる流民です。病に侵され、救いの手を待ちわびています。もうこの手は筒まで伸びておるな。街道も危うい。はずだ。その薬師を守ってやらねば。 OK, donc un guérisseur qui a besoin d'aide et c'est beaucoup trop loin pour nous pour l'instant. Alors, le piaf, c'était ça qu'il me montrait ou c'était encore autre chose? Eh. Je peux pas jouer de la flûte? Merde. Bon, alors oui, c'est rigolo, mais... Bah cela dit, ça reste un lieu d'intérêt intéressant, hein, les camps de survivants. On déclenche des quêtes, on peut gérer nos fournitures, nos provisions, etc. Je suis un peu déçu, mais bon, ça va. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin, de grâce? Ah ah ah. Peut-être bien. Bon là déjà il y a des méchants. Là-bas. Là-bas. Oh, me faites pas nager jusqu'à là-bas pour pour un sac de ressources, s'il vous plaît. Non, c'est bon, nickel, pilier. C'est bon, ça. Oni crépusculaire. Oh, ça a l'air bien stylé. Je vois le coloris, là. On verra ça plus tard. Bon, les méchants. Et nous, on va aller par là. J'espère que je loupe rien. Ça me stresse. Mais c'est des méchants? Mais pas du tout! Bonjour? Bon. Soit. Bon, on se fait un peu chier dans ce bled là, il se passe pas grand chose, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un fort ennemi? Yes. Oh, y a un chef là! Faut que je l'observe. C'est quoi le projet là avec ce tronc d'arbre? Ah!
Ouh là là, d'accord. Ok, la prochaine posture, au secours. Il n'y a pas d'ennemi à proximité. Hein. Je pourrais tenter de le... Alors, il est à la lance. Crac. Paf. Bon, tant que je fais pas les attaques, tant que je fais pas les attaques chargées, ça reste efficace. C'est juste l'attaque chargée, je ne la comprends pas. Et la confrontation, et je fous le sbul complet. Non mais ils sont beaucoup, hein. Bon allez, c'est une épreuve. Ou pas. J'ai un manette qui tremble, hein, pour info. Ok. Pourquoi je suis plus confronté? Ah merde, il y a deux gars là-bas. Je suis la nuit. Merde. Bon bah c'est pas grave. Ouais, je sais, je suis au courant. Au secours. Oh là là, mais... Pas m'énerver. Voilà. Allez, bah maintenant faut fouiller. Calmez-vous, calmez-vous, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va, hein. C'est pas moi le méchant dans l'histoire, hein. Mais non, on ne rentre pas en dessous. Fais demi-tour. Ah, il faut beaucoup de fer aussi. Y'a rien? Y'a rien. Bon, après je trouve que le système de furtivité est un peu bizarre, hein, parce que autant on peut là bah typiquement le chef je l'ai un peu affronté comme un cacou et
Les ennemis étaient pas vraiment... Enfin, de manière, enfin, vraiment purement en termes de code de jeu vidéo, c'est particulier. Après, au niveau de la cohérence, moi, ça me va. Parce que, dans tous les cas, le chef, il était en train de s'entraîner. Il faisait du bruit et tout, comme s'il se battait. Bon, ça reste cohérent que les mecs s'inquiètent pas trop si... Bah si il fait comme s'il continuait de se battre. Et de fait bah oui il se battait mais ils étaient pas censés le savoir. Donc là dessus ça me plaît. Mais par contre il y a des fois il y a des trucs un peu évidents. T'as l'impression que les ennemis ils calculent rien. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y a rien en fait. Juste pour être sûr, on va appeler le cheval. Ouais non, j'en ai déjà passé par là. J'ai l'impression qu'on a rien loupé. Ouais non hein. De toute façon ça s'afficherait déjà. Ça s'afficherait déjà. Bon bah du coup il y a ce village là. Eh bien c'est parti. Ah oui. Chanceux. Oh, ils gardaient leur caisse. Ouais. Ah c'est bien, il commence à nouer un lien d'affection avec son canasson. Mais j'ai jamais vu cet endroit. Si. Quel est cet endroit? Ah mais c'était pas le... Bah attends. Hein? Mais non, j'ai jamais vu cet endroit. D'accord. Ouais. Non. Ouh le con. Oh le village d'Azamo. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Déjà, est-ce qu'il est occupé ou est-ce que... Est-ce que c'est cool? Oh ouais, d'accord, ok. Bon, tout est détruit. Bon, y'a rien en fait. On viendra sûrement pour le scénario. Ah si, quand même. Quand même. Mmh.
Et c'est tout, c'est ça le village? Il y avait deux baraques. Hein? Non, c'était pas le village. Oh, l'arc long. Non? Pas du tout. Juste des flèches. Et le village est en dessous, d'accord. Ok. Je fais comment? Non, parce que là, si j'essaie de sauter... Je veux dire, je suis pas sûr que la chandeleur, ça soit... Ça soit au mois de juillet. Bon. J'ai envie d'aller voir quand même. J'ai vu du mouvement. Mais pas sûr que ça soit ami. Ouais non, c'est des méchants clairement. Bon, eh ben, faisons le tour. Oh, la carte un peu. Ah, il faut que je fasse le méga tour quoi. Ah, et si seulement j'étais passé par là, j'aurais pu. D'accord. Ah. Ouh. Ils ouvrent les portes ou pas? Oui, mais à mon avis, c'est parce que c'est pour le scénario, mais ah! Quoi? Qui m'a tiré dessus? D'accord, bah, j'ai l'impression en fait que je ne peux pas me les faire. Je ne peux pas approcher. Ok, je peux absolument pas. Non, c'est mort. De toute façon, les portes sont fermées, donc je peux pas y accéder. Bon, mais ok. Ok, ok. Bon, j'ai quand même envie de prendre ma revanche. Voilà. Et là, si j'approche, on me repère? Ouais, d'accord, ok, ouais, MDR. Les mecs sont omniscients, quoi. Y a des caméras de surveillance, quoi. Bon, allez, je me casse, c'est bon, j'ai compris. J'ai bien compris, c'est du scénario. Ok. Bon. Eh ben, on va aller faire ça. On va peut-être même aller tout droit par là. Pour ensuite aller faire la sorte de quête, là, le fort ou je sais pas quoi. Et ensuite, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, du scénario. Mais ils me suivent ? C'est un méchant ça? Oh le con, je vois toi. Mais bah attends, mais... Vous êtes sérieux là? Vous m'avez suivi?
Vous sortiez d'où? Génial. Génial. Ok. Ah non, ça devait être des sbires qui étaient juste à côté et je suis passé devant comme un fou et ok. Mais non, il y en a encore. Non mais les gars, faut savoir là. Ah, j'ai quelque chose à ramasser. Des criquets. Incroyable. Et dire que je suis passé juste à côté. Mais c'est qui gueule comme ça? Ça m'intrigue. C'est dans le fort? Est-ce que vous pensez que je peux les sniper dans le fort? Toi. Ah mais il est pas mort hein. Oui oui non mais attends mais t'as fumé quoi toi? Là il est mort. Il me reste plus qu'une flèche, merde. Hein? Mais... Mais quoi? Paf! Headshot, hein? Alors ça ne m'apporte absolument rien de le faire. Oh, il est pas mort. J'ai mis un headshot et il est pas mort. À cette distance là vraiment. Oh là là. J'ai mis le feu hein. J'ai mis le feu. Non mais les gars, vous êtes juste abusés quoi. Bon bref, ok. C'était l'instant autisme. Allez, c'est pas grave. Le cheval. Le cheval. Que fais-tu? Le cheval, t'as fait un stage chez Ubisoft hein. Effectivement, les gars sont balèzes, hein, parce que pour pas mourir... Putain, et une flèche enflammée en pleine tête, le mec n'est pas mort. C'est quand même terrible. Je suis où, là? Ouais. Ah, prédateur. Et je n'ai... Je
Je n'ai plus de flèches. Ah, dommage, hein. J'aurais essayé. Aïe, non. Désolé, le cheval. Je pensais que ça fonctionnerait mieux que ça. Excuse-moi. Bon, j'ai l'impression que ça va, hein. Bon, j'avoue qu'on aurait pu mieux faire. J'avoue qu'on aurait pu mieux faire. Ouais, il faudra faire des grands zigzags en remontant, quoi. Ou alors je pousse le vis maintenant. Genre d'aller jusque là. Pour redescendre. Allez. C'est histoire d'équilibrer pour plus tard. De toute manière, on a... Voilà, j'avais pas prévu de faire du scénario. Pas dans cet épisode. C'est ça? Oh, vous êtes beaucoup là. Oh, il y a un lance-man derrière. Ça me va. Merde, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Ça. Attends, mais y en a un qui est encore en vie là, non? Non? どこで捕まった?カシネの浜ですが、今や猛虎の船の停まり場です。今度でも戦に備え、船を修繕しておるのだろう。しばらく浜には近づくな。Mais c'est pas là où j'ai clean? Allez, salut. C'est où? Non, pas du tout. D'accord. Ok. Eh bien, comme quoi j'ai bien fait de passer par là. Oui, donc là on passe à côté du sanctuaire qu'on avait fait en début d'épisode, il me semble, non? Ouais. Alors, quoi? Oh, lui il est perdu. Mais genre je cours et il arrive... Ok. Ouh. Mais il est saoulé, hein. Ça y est, on commence à affronter des ennemis un peu différents. J'aime bien. Ah, des flèches, merci. Et je vais pas du tout dans la bonne direction. Ah, mais le cheval.
Comment ça se fait que t'es parti jusqu'ici, toi? Attends. J'ai besoin de leur peau. Là, tu vas me dire que je one shot avec une flèche, mais un coup de katana, ça tue pas? On va peut-être me prendre pour un con là, hein. Passage de... Oh là 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 là. C'était pas prévu ça. Ouh, il y a beaucoup de choses. On va faire un assassinat aérien d'aussi haut. Là vous êtes deux. Ah si je peux. Hop, on repart par ici. On va clean. Ferme-la. Ah oui, mais c'est leur casque à la con, ok. Je viens de comprendre. C'est absolument pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ouh. Ah oui non, je voulais le gros d'abord. Toujours. Toujours le plus gros d'abord. Bon. Allez, on a fait une partie. Pire infiltration comme d'hab. Mais ça passe. Mais j'aurais pu l'observer, le chef.
Paf. Eh oui, j'aurais pu l'observer, mais merde! C'est qui Jean-Michel Sniper qui me tire dessus là? Il est où? Voilà. Oh le chef. Bon on a tout chopé je crois hein. Il me semble hein. Paf. Bon on a un endroit check ici mais on va pas le faire. On va rush ici avant de terminer cet épisode. Allez go. Ah, d'accord. Quel abruti. Ah, merde, dommage. Le cheval. J'ai fait exploser le cheval. Oh le cheval, pardon. Oh là là. Mais non, il envoie des coups. Excuse-moi cheval. Mais c'est pas mon cheval en fait, je crois. Je sais pas. J'en sais rien. Oh c'était rigolo. Base au rondin à brûler. Éliminer le général du camp de guerre, récupérer le fer volé 0 sur 2, récupérer des sachets, ok, des bannières. Bonus, tuer des ennemis discrètement sans les coups tactiques. Bon, ça va, ça se fait. Ça se fait. Bon, ça, sans les coups tactiques 0 sur 3 alors que j'étais à 1 sur 3. Parce que l'assassinat aérien c'est considéré comme... Oh. Un sur trois, ok. Eh ben c'est mort. Je me casse, vite. Puis... Ouais donc toutes les Attends c'est bizarre. Bon, on va essayer, hein. Ouais, où donc est-ce que tu as hâte?
C'est vrai. Hein? Merde! Je suis caché. Bon, de toute façon, je peux me permettre de l'utiliser. Bah, peut-être presque je vois de leur passer dans le dos. S'ils arrêtent de me chercher et qu'ils font demi-tour. Ok, ils sont tous là-bas. Après, est-ce qu'une bombe collante est considérée comme une élimination discrète? Non. Ok, c'est bon. Ça me l'a validé quand même. Ah, je veux le bonus, hein. Et le plus simple, c'était les gars en hauteur, quoi. Enfin, les snipers, quoi. Mais j'ai l'impression maintenant ça y est, je ne one-shot plus les ennemis systématiquement. Donc faut que je m'assure des tire-têtes. Voilà, tire-tête. Ok, lui il a tout vu. Allez, un dernier. Oh, il faut de la patience. Ça, c'est l'occasion rêvée. Faudrait qu'il se barre. Je pince. Mais j'ai peur. J'ai pas envie de tirer une. Putain, mais ils sont en binôme. Ils sont chiants. Après, le carillon. Au pire. Ça passe. C'est bon. Bon voilà, désolé. Ouah, juste à côté. Ouh là là, mais ils sont. Ils ont vite oublié que des gars étaient morts, hein. J'avoue que
c'est un peu abusé. Parce que même l'écoute tactique, je m'en sers pas tant que ça. Bon, je m'en sers surtout pour entrer. Une fois que je suis dedans, bon, tout dépend. Si j'ai envie de jouer vite, je le fais pas. Si je joue très safe, je vais le faire, mais bon. Encore une fois, le jeu est suffisamment intuitif pour. C'est l'enjaille. Oh là là, l'ennemi qui vient de l'intérieur du fort. Quoi? Personne n'a rien vu. Hein. Mais cette musique. Mais j'aime bien. Hein. Je trouve ça apaisant. C'est mystique. Tellement cliché de dire ça. Oh, les pétards! Mais oui, les pétards, c'est l'upgrade de. Ouais, confrontation, vas-y. Les pétards, c'est l'upgrade des cloches. Ah bah je me retrouve au point de départ. Non? Y'avait que eux? Ah mais y'a lui là-haut. Ah mais c'est peut-être lui le chef, c'est pour ça qu'il prenait rien quand je lui tirais dessus. Ah. Oh non mais j'ai cru que c'était un ennemi. Vous me perturbez les chevaux, vous faites du bruit hein. Non mais toi là-haut là. Non? Inexistent hun. Ух, я стой. Enter samurai вот это. Одна дырды. Я марнегем харву. Энт хасгүй бай. Свобода! Нигер битэн зу харват бай. Hop là, personne n'a rien vu. Lui il hésite. Hein. Merde, dommage. Ok, c'est chiant. Boum. Ah.
Ah mais je rêve ou il essaie de se barrer ce con. Oh putain le con, il m'a brain. Oh ben, oh, Fulk, ok. Ok. Je l'ai jamais tapé. Bon, alors la manette qui tremble de partout parce qu'évidemment il y a tous les. Il y a tous les drapeaux et compagnie à récupérer. Ok, ouais, non, parce que je suis parti dans tous les sens, mais j'ai jamais récupéré les drapeaux. Trop concentré à oxyre autrui. Alors, vous voyez que j'ai fouillé quasiment l'intégralité du fort, mais les seuls endroits que je n'ai pas fouillé, c'est là où il y avait les éléments récupérés. Ah oui, non mais la bombe, c'est la vie hein. Je suis très content d'avoir débloqué la dernière upgrade. Il y a zéro ressource dans ces cages. Oh, c'est chiant. Ça, ça fait presque penser au symbole des Templiers, cette histoire hein. Ah, très bien. D'accord. Mais grimpe ? Il veut pas. Ah mais c'était là-haut, d'accord. T'as même le simple fait de me glisser sous la tente pour les esquiver et tout, c'était tellement intuitif. Alors, j'ai quand même l'impression que ma manette vibre. Bah oui, dans la tente du chef, tout simplement. Bah oui, voilà. Ça vibre encore. Là. Voilà, c'est bon. Nickel. Une bonne chose de faite. Et là, ça explose. Yes. Ah, et deuxième point de compétence. D'ailleurs, on va les appliquer avant de se quitter. Oui. Alors, en fait, il parle de lignes bleues, mais moi, pour l'instant, j'ai vu que des lignes rouges. Je pense que c'est un... Oui, parce que cette attaque-là, je l'ai déjà vue, mais c'est rouge. C'est pas bleu. Donc, écoutez. Ah, mais en plus, j'en ai 3 à débloquer. Ok, yes. Ouais, déflexion de flèche, ça peut être marrant. Coup d'épaule. Le coup d'épaule, ouais. Ah oh oui, mais après pour l'esquive parfaite, il faudra 2 points pour la débloquer, l'esquive parfaite. Oh, on peut avoir la dernière upgrade.
Je vais la faire. On va stepper, on va la faire. Yes. Eh ben c'est nickel. Ouh là là, plein de choses à explorer. On peut se déplacer? Oui, yes. Bon, bah du coup, je vais aller améliorer. Je vais aller améliorer le... Enfin, la petite dague, quoi. Le petit katana pour les assassinats. Ce qui va nous permettre d'assassiner plus rapidement. Plus discrètement. Parce que l'arc, on peut l'améliorer. Mais le problème de l'amélioration de l'arc, c'est que ça me coûte très cher. Après, j'avoue, c'est tentant, hein. En vrai, il y a peut-être moyen que ça passe. On va d'abord upgrade la dague, mais... Ah oui, 70 de fer. Oh là là. Sakai-sama, 十分な素材をお持ちください. Alors j'avais vu aussi que je pouvais améliorer la tenue de l'explorateur. Et là je peux plus. Évidemment. 500 de provisions. Bon mais de toute façon je m'en sers pas. Je m'en sers pas. Bon a priori je n'ai pas de conversation hein. Sakai-sama. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais... Oiitsuke-dori, Kaido o sakete koko made mairimashita. Onushi mo buji de yokatta. Musuko mo kega wa nai na. Chichi yori mo rippana ko desu. Anata sama ni tasukete itadaita koto wasuremasen. Tassha de kurase. Saraba da. Ki no mama nigete kita renchuu desu ga, anata sama no tasuke ni naritai to itte masu. D'accord. Ouais bon c'est de la petite conversation hein, c'est pas indispensable mais D'accord. On améliore. Direct. Ah et je suis pas si loin que ça de finir de l'améliorer. Ça, ce serait l'upgrade final quoi. Yes. Yes, yes, yes. Eh ben écoutez. Oui, il y a un gros trou ici, là. C'est terrible. Eh ben c'est pas grave. On verra ça plus tard. Paf, on se téléporte ici. Afin d'être prêt pour la prochaine fois à réattaquer le scénario, il faudra libérer du coup le frère de Yuna, Yuno, je sais plus. Qui nous avait accompagné au tout début du jeu, au tout début de l'aventure. Oh, et en plus, il y a une tanière de renard juste à côté. On la voit. Eh oui, la tanière de renard. Et en plus, ça me débloquerait un emplacement de charme. Mais bon, on verra la prochaine fois. En vrai, je vais sauvegarder. Et puis, je pense qu'on fera scénario d'abord. Et puis, voilà. On verra après. Et en plus, on a plein de quêtes, hein. Bon, à mon avis, clairement, la quête va nous mener ici. Et ensuite, on sera libre de nos mouvements et on pourra clean tout ça. Ce petit scénario aussi. Ce qui va sûrement nous débloquer aussi des récits, encore une fois. Hein. Donc, voilà. On a encore beaucoup à faire. Oh, le trappeur. Attendez, on va voir le trappeur. Alors, le trappeur. Les upgrades. Oui, non, parce que les bombes, là, j'en ai que deux. C'est terrible. Si je peux améliorer ça. Tiens, on va faire un truc aussi. Voilà, parce que j'ai des fleurs à plus savoir quoi en faire, donc
On débloque. Là, celui-là, j'avoue, il est vénère. Hein. Voilà, j'ai claqué toutes mes fleurs. Tascotta. Il est où le trappeur? Il est là. Ah oui, 20. Oui, non, non, non. Ça, oui. Oui. Totalement. Allez, ça c'est fait. Paf. Allez, on se quitte là-dessus. Des bisous YouTube. Et portez-vous bien.